La Bible, c'est l'un des livres les plus influents dans toute l'histoire de l'humanité. Elle traite des questions existentielles comme le but de notre vie. Et a inspiré un grand nombre de personnes à accomplir des choses exceptionnelles. Même si ça reste du chinois pour beaucoup d'autres. En fait, vous devez en avoir une rangée, quelque part. Mais la Bible, qu'est-ce que c'est en réalité ? Eh bien, la Bible est une mini-bibliothèque dont tous les livres sont tirés de l'histoire d'un peuple, l'Israël antique. Ce peuple était d'une certaine manière semblable aux autres civilisations de son époque, mais parmi eux figurait une longue lignée de prophètes qui percevaient l'histoire d'Israël comme étant tout sauf ordinaire. Ils voyaient jouer le rôle de pièce maîtresse dans le plan de Dieu pour toute l'humanité. Et ces prophètes étaient tous dotés d'un génie littéraire. Non, c'est vrai ? Oui, ils ont brillamment formulé de magnifiques tournures en hébreu dans la rédaction des différentes épopées et en usant d'un style poétique très élaboré. Ces virtuoses de la métaphore et de la narration ont mis leur savoir à profit pour traiter des questions existentielles les plus complexes, notamment sur la vie, la mort et les luttes intérieures de l'homme. Donc ce livre a été rédigé par plusieurs différents auteurs. Oui, et ces textes ont été écrits pendant une période s'étalant sur plus de 1000 ans, qui débute aux origines d'Israël, en Égypte. Et ça a continué à la création de leur royaume avec leur premier temple, mais ce royaume a ensuite été conquis par les Babyloniens, qui ont déporté leur peuple en exil. Puis, à un certain moment de leur histoire, plusieurs Israélites sont rentrés dans leur pays. Ils ont bâti un second temple, ils ont fait en sorte de se reconstruire une identité, et c'est à ce moment-là que les écritures juives ont commencé à être assemblées pour prendre la forme que nous leur connaissons aujourd'hui. Ok, c'est la Bible juive. Que contient-elle ? Eh bien, en hébreu, on la désigne par un acronyme, Tanakh. On a le T de Torah, qu'on appelle aussi la loi, ces cinq livres constituent les textes fondateurs de l'histoire d'Israël. Le N de Neviim, qui veut dire prophète en hébreu. Cette section est une compilation de livres historiques relatant les récits d'Israël du point de vue des prophètes. Il y a également les livres poétiques, rédigés par les prophètes eux-mêmes. Et on a le K de Ketuvim, qui veut dire écrit en hébreu. C'est une collection variée comprenant des livres poétiques, des livres de sagesse et bien d'autres récits. Pour le peuple juif, toutes ces œuvres littéraires sont des moyens par lesquels Dieu parle à son peuple. Mais d'autres textes juifs ont bien été rédigés au cours de cette période du Second Temple. Oui, un ensemble de textes divers et variés. Et ces derniers étaient tout aussi importants au sein des communautés juives. Cela dit, l'intégration de ces derniers textes aux Écritures a fait l'objet de nombreux débats depuis l'Antiquité. Ça fait quand même un paquet d'écrits différents et rédigés sur une très longue période. Alors comment les avoir assemblés de la sorte ? Une fois mis ensemble, ces textes racontent la même épopée montrant comment Dieu œuvre à travers ce peuple pour remplacer le chaos de notre monde par l'ordre et la beauté. Et tout ceci contribue à susciter l'espoir de la venue d'un nouveau leader qui renouvellera toute la création. Mais le Tanakh s'achève sans que ce leader n'arrive. Donc c'est une œuvre brillamment rédigée, mais qui finit en queue de poisson ? En effet. En fait, quelques siècles plus tard, un prophète juif appelé Jésus de Nazareth entre en scène. Il affirmait poursuivre l'histoire du Tanakh. Donc Jésus a fait plein de choses géniales. Il a été tué. Mais ses disciples ont déclaré qu'il était revenu d'entre les morts. Oui, il déclarait que Jésus était ce leader tant attendu qui restaurerait le monde. C'est ainsi que ses premiers disciples appelés apôtres ont rédigé de nouvelles œuvres littéraires sur l'histoire de Jésus, qu'ils ont appelé la Bonne Nouvelle ou l'Évangile. Ils ont répertorié tous les épisodes de l'évolution du mouvement pour Jésus hors d'Israël sous forme de récits intitulés Actes et ont diffusé les lettres à travers ces différentes communautés dans tout le monde antique. Et ils considéraient tous ces textes comme faisant partie des Écritures ? Oui, tous les écrits des apôtres constituent l'accomplissement de l'épopée du Tanakh. Et leurs écrits s'inscrivent dans la droite ligne du génie littéraire propre à la tradition juive. De la même manière qu'avec les écritures juives, ils avaient aussi foi que Dieu parlait à son peuple à travers ses textes. C'est donc ce qui constitue l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais que pensaient les premiers chrétiens des autres écrits datant de l'époque du Second Temple ? Eh bien, il y avait plusieurs avis divergents selon les groupes, mais on sait que ces livres étaient lus et suffisamment importants pour être intégrés aux écritures juives, puis transmis aux générations suivantes. On se retrouve donc avec le Tanakh, les écritures juives, ces autres œuvres datant de l'époque du Second Temple, et les écrits des apôtres sur Jésus. Ça fait un sacré paquet d'écrits au final. Alors, que contient ma Bible ? Le christianisme a beaucoup muté en 2000 ans, et dès le départ, tous les chrétiens se sont accordés sur le fait que le Tanakh et le Nouveau Testament constituaient les Écritures. Et pendant des siècles, une grande partie des textes du Second Temple étaient lus dans le cadre de la tradition biblique. L'Église catholique a fini par les officialiser en intégrant certains livres de cette collection sous le nom de livres deutérocanoniques. Certaines églises orthodoxes utilisaient même davantage de livres de la littérature du Second Temple, puis arriva la Réforme au XVIe siècle, où les chrétiens protestants ont préféré revenir aux écrits originaux des prophètes et des apôtres, et ont dès lors choisi de se référer uniquement à l'Ancien et au Nouveau Testament. D'accord, je pense avoir compris. Mais comment se fait-il qu'une collection de livres rédigés par différents auteurs, sur une période de plus de 1000 ans, puisse tous raconter la seule et même histoire ? Eh bien, c'est la question à laquelle répondra notre prochaine vidéo.